Bonjour à tous, nous sommes lundi 17 février, c'est la Saint-Alexis aujourd'hui. Fête à mon fils. Il est apparemment 11h20. Je prends seulement maintenant. Je sais pas si ça se voit, mais j'ai fait ma couleur. Donc moi, ce que je cherche... Attendez. Voilà. Oula. Ce que je cherche dans la couleur, ce n'est absolument pas un changement de couleur, c'est juste cacher les cheveux blancs. J'en avais des milliards au-dessus, là, mais c'était une vraie piste d'atterrissage. Et depuis un moment, je me disais, faut que je fasse ma couleur. Je la faisais pas. Et puis là, je l'ai faite. Donc je suis bien contente. Ça prend du temps quand même, mine de rien, parce qu'il y a quand même 30 minutes de pause, faut avant le temps de la poser, après il faut se rincer, non, bref. C'est toute une histoire. Ça se fait pas en un tour de main. Mais je préfère le faire là que chez le coiffeur. Parce qu'en plus, ça dure autant de temps. Les produits sont autant chimiques. Donc, et ça me coûte nettement moins cher. Bref. Surtout que souvent, j'achète mes colorations chez Action. J'achète aussi en supermarché. Enfin, bref. Voilà. Donc là, j'ai choisi châtain. Voilà. Donc ça fait un peu... On verra ce que ça donne en montage. Mais moi, je vois bien la différence. Et surtout, là, j'avais plein de cheveux blancs là. Je les ai plus. Ils sont toujours là, ils sont juste camouflés. Enfin bref, il y a un tout petit peu de vent, mais très peu. Ce matin, il pleuvait, il a plu cette nuit, il a plu hier soir. Et voilà. Et là, il y a un méga ciel bleu de Oufman. C'est génial. Il fait trop beau. Trop beau. C'est trop agréable. Donc du coup, la matinée est déjà bien avancée. Pourtant, je me suis levée à 8h, donc je ne me suis pas levée très tard. Je sais pas ce que j'ai foutu ce matin, mais le temps est passé à vitesse grand V. Alors en fait, j'ai l'impression d'être en vacances depuis 6 mois en fait. C'est un truc de fou. Je pense que, en fait, comme du coup, en plus je suis en vacances une semaine, enfin la moitié d'une semaine avec la moitié de notre semaine, ça fait trop bizarre. En plus on est parti en week-end, enfin bref. Mais c'est passé très très vite, mais j'ai l'impression que ça fait très longtemps que je suis en vacances. Et du coup, ça veut dire que c'est, comment dire, que c'est bénéfique. Et que voilà. Et du coup, j'ai pas eu de moment de stress ou d'angoisse durant ces vacances. Ça veut bien dire que j'étais zen, enfin, je suis zen et tout. Je me prends pas la tête, enfin, je me prends pas la tête comme je pourrais me le prendre quand je bosse et que je suis speed et que machin et truc. Donc voilà, Alexis est en train de finir son livre. Je sais pas si on s'en sortira un jour. Il lui reste plus qu'un chapitre et demi à lire, donc voilà, ça va être fini aujourd'hui. Enfin, ce midi là, enfin, avant de manger. Et puis cet après-midi, on va. Se pencher sur la fiche de lecture, donc là je vais l'aider, sachant que cette fiche de lecture n'est pas notée, mais qu'il faut la faire, parce que si on la fait pas, on a zéro, mais elle n'est pas notée, et après il y a une interrogation, donc elle est quand même à rendre lundi, là, prochain, et... Ah si, le vent se lève. Et bref, et après ils ont une interrogation sur le livre, hors fiche de lecture. Donc voilà, bref. Mais voilà, c'est un bon exercice quand même, hein, je ne dis pas le contraire. Il a un peu du mal à faire le résumé. En fait, lui, il le fait très... c'est très succinct et c'est généralement pas assez, donc je suis obligée de l'orienter, de l'aider, de poser des questions pour que voilà, qu'il apprenne à le faire. C'est pas évident, hein, franchement, il a du mal. Et je sais pas quand est-ce que ça s'acquiert, ça... Je sais pas comment ils font les gosses... Enfin, les parents ne les aident pas, je sais pas comment ils font. Franchement, ou alors ils sont doués, naturellement, pour faire des fiches de lecture, mais pas le mien. Donc voilà, donc aujourd'hui, petite journée. Ce midi, on va manger escalope haricots verts, voilà. Truc tout classique, tout simple. Et puis on va voir ce que... Cet après-midi, je pense pas qu'on fasse grand-chose. C'est vrai qu'il fait beau, donc c'est un peu con de rien faire, en fait. Oh, petit cat. Petit chat dans mon jardin. N'aie pas peur. Je te filme, parce que t'es beau comme tout. Je sais pas si vous le voyez ici. Hop. Allez, salut. Vous voyez, le ciel est bien bleu. Donc il y a un peu de vent et il fait pas chaud. En fait, il fait beaucoup moins chaud qu'hier. Enfin bref. On a quand même du mal à croire qu'on est en hiver. C'est hallucinant ce temps. Bref.
Dans le sud, c'est encore pire. Les températures d'été qu'il y a. Ah, j'ai envie d'éternuer. J'ai envie d'éternuer, mais ça ne veut pas venir. Donc voilà, donc, je vous reprendrai sûrement au cours de la journée. Je ne vais rien faire de particulier. Hein, donc, on verra si je fais sur un jour ou sur deux jours. Voilà, je vais me faire à manger, il est midi 10. Finalement, je vous ai dit à Recover ce matin, mais finalement, je vais faire des choux de Bruxelles. Des oignons, voilà, tout simplement. Hop. Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas les choux de Bruxelles, mais Alexis adore ça. C'est un truc de fou. Enfin, lui, il aime les haricots verts, courgettes et choux de Bruxelles pour toute sa vie, donc on fait régulièrement. Je suis pas méga ultra fan, mais j'aime bien quand même. Bon, en plus avec de l'oignon. Mettre un peu de poivre. Et je vais faire des escalopes le gaulois là. Milanaise. Bon, elles étaient jusqu'au Sèvres, hein, mais c'est encore bon. Évidemment, on est le 17. Donc voilà, oh, les oignons sont hyper forts. Oh putain, ça me pique les yeux. Cet après-midi, je devais aller chercher de l'essence et faire 3-4 coursettes. Je sais pas encore si je vais à Carrefour ou à Inter. Alors, c'est pas des vraies courses parce qu'en fait, c'est juste un. Oh, j'ai pas de temps, tu sais. Racheter peut-être. Des trucs pour le petit déj, je vais pas, là il est un peu sec, je vais le faire griller, je pense, parce que ça va être trop beau. Bref, allez, je fais à manger. Je vais faire les courses à Carrefour Market. Ce qui est bien à cette heure-là, c'est qu'il n'y a personne. Il n'y a pas trop de monde en fait. C'est tranquille. Alors, ça c'est quoi? Côte de veau en promo. J'ai une liste, mais elle est sur mon téléphone donc. Pas en congèle, mais je vais peut-être en prendre là. Hop. Ça a l'air bon. Oups. Bon, même s'il y a personne, c'est pas évident de filmer parce que y a le personnel qui range et tout ça. Mais il y a vraiment personne, c'est cool. C'est désert. Limite, on se croirait dans un mode survival. De ouf. Voilà, c'est le bac à promo. C'est quoi? Ça a l'air pas mal, ça. Ça, c'est jusqu'à quand? 21 février. Ça peut être pas mal ça. Bon, je crois que le mieux c'est que je vous montre en retour de vlog ce que j'aurais pris quand je vais rentrer. Mais voilà, voilà, les courses sont faites et je viens de prendre de l'essence parce qu'elle avait soif. Voilà, titine. Hop. Là il est à 1,488. Tu me diras, j'ai déjà pris plus cher. Il n'y a pas si longtemps que ça, je l'avais pris à 1,52. J'étais contente, j'étais ravie. Putain, c'est trop cher l'essence. En même temps, j'ai le choix. Alors, on y va. Je rentre. Oups.
Donc oui, je vous montrerai les courses à la maison. En vrac, comme ça. Alors, je pose sur la table. J'ai acheté plus de trucs que prévu. Voilà, parce que c'est comme ça, je suis comme ça. J'y allais pour 4 bricoles et j'en reviens avec 12. C'est pas grave. Ce n'est point grave. En plus, vous allez rigoler. Vous allez voir. Je rigole toute seule. Donc pendant que je vais faire les courses, Alexis est censé faire un peu de devoir. On va bien voir. Du coup, j'ai pas pris de caddie. J'avais pris un sac et après je me suis dit, bon, je vais prendre un deuxième au cas où. Putain, mon truc il faisait 10 tonnes quoi. Mal au dos, mal au bras, mal au tout. J'ai plus mes courbatures aux jambes, hein. C'était juste le temps que. Voilà, donc il fait, je vous l'ai dit, non, il fait 11 degrés. Voilà, ça va. Ça va, ça va. C'est correct. Un petit peu de vent, mais voilà. Ça va peut-être un temps à se balader. Je vais voir, donc je vous ai dit, je sais plus si je vous l'ai dit, si je vous l'ai dit qu'on allait peut-être retourner au Cinoche. Avec Alexis, je sais pas ce qu'on va aller voir. Moi, il n'y a rien qui me dit, mais bon. Ou alors j'attends encore mercredi, voir s'il y a un nouveau truc qui sort. Là, il y a un feu de travaux, c'est relou, c'est relou. C'est long, c'est long. Donc voilà, je rentre, je vous montre mes courses. Faut que je plie mon linge, faut que je vide mon lave-vaisselle qui a dû tourner entre temps. J'en ai mis un rapide, un 30 minutes. Et voilà. Dans 22 secondes, ça passe au vert. Mais c'est génial, là, c'est génialissime. Hop. Bon, je suis pas très bien cadré au niveau de la route, là, mais... il fait beau, enfin, il fait beau. Il y a du ciel bleu, il y a du soleil, mais vous voyez pas trop. It's good, let's go. Voilà. Hop. Allez. C'est parti, mon kiki. C'est juste à côté. Hein. J'ai trop de la chance. Je vais vous montrer tout ça. Vous allez vous dire, mais elle est grave, celle-là. J'achète des trucs. Au niveau des courses, je suis vraiment pas la reine, ni de l'organisation, ni des bons choix, ni rien. Je suis une vraie, comment on dit, une vraie nulasse. Mais c'est pas grave. J'assume et je m'en fous. Et je le reconnais. Ça m'empêche pas de le faire. Mais bon, comme on dit, faut avouer, à demi pardonner. Bon, allez. Ah oh, putain, il y en a un, il a pas de roue là. Ouh. Il a dû lui piquer sa roue. Ça craint. Allez, je vous laisse. Et je vous reprends in the kitchen. Hop, installation pour un petit retour de course. À l'arrache, sans prix, sans rien, c'est juste pour... salle. J'ouvre la lave-vaisselle. Ça sèche un peu. Je m'organise. Oh là là. Je me fatigue. J'ai pris de la morte et tout. C'est génial. C'est la fête. C'est génial quoi. J'ai pris les paquets toilettes Lotus Maltonel. Rien que ça. Je vous montre peut-être. Parce que je le regarde, mais moi je le vois après. Voilà. C'est super quoi, doux, résistant, mais. Mais que demander plus hein. Je crois que ça, je vous l'ai montré dans la. Vous avez vu ça quand je regardais dans les trucs discount là. J'ai pris des saucisses de Francfort comme ça, il y en a. Donc c'était à moins 25%, consommé jusqu'au 21 février. Voilà. Donc 1,59€. Écoutez. Génial. Alors là, voilà, ça c'est bon. J'ai vu ça dans un rayon. Alors, c'est du jambon cuit rôti sans nitrite, sans antibiotiques, porc élevé sans antibiotiques, sans antibiotiques de la naissance, sans lait, sans gluten. Oui.
Voilà. Du bon jambon comme ça. Il a l'air trop bon en fait. Je suis une cible facile pour le marketing. Pour Alexis, je lui ai pris des pains suisses au chocolat comme ça. J'ai pris des petits déj, des gâches. Généralement, on les coupe en deux. Et soit on les fait griller, soit pas. Mais griller, c'est trop bon. Ah, j'ai trouvé. Je suis trop contente parce que chez Lidl, ils font des flans au chocolat. Tout chocolat. Sauce chocolat, chocolat. Mais c'est vendu par pâte de 16. Et selon la date de fin, il faut en bouffer quand même du flan. Et là, c'est la première fois que j'en vois des Flambi, la marque Flambi, au chocolat. Alors, j'en avais jamais vu, je les vois les normaux là. Je suis trop contente. J'étais trop happy quoi. Ce soir, je mange ça. Alexis, sûrement aussi. J'ai pris des Danonino à boire pour Alexis là. Pêche, abricot, fraise, banane. Avec la reine des neiges, je vais être contente. J'ai pris, alors, je me suis repris des danettes au chocolat noir. Il y en a bien 4, mais les trucs qui sont cassés. J'ai de la chance qu'ils ne s'ouvrent pas. J'ai pris de la sauce crudité comme ça. Suis-je flo? Non. Ça, c'est pour Alexis parce qu'il aime bien ça comme sauce. C'est ça que je voulais vous dire qu'il va. Je trouve ça hallucinant d'acheter ça, quoi. La chandeleur vient de passer. Et j'ai acheté. Des crêpes moelleuses à la vanille, au lait frais. Toutes petites rondes comme ça, à faire réchauffer au micro-ondes. Ah oh, mais elles sont trop chopinettes. Des crêpes trop chopinettes. Ça pourrait être un titre de vlog, mais je vois que ça va faire bien. Ah non, mais regardez-moi ça. Alors là, à 4h, on va se faire ça. Ce midi, on n'a pas mangé de dessert, rien, pas de fromage, rien. Juste un plat. J'ai pris des spaghettis. J'ai pris du 7-Up saveur Morito. En ce moment, on se fait pas mal d'apéro. Hein. D'ailleurs, hier, l'apéro, vous avez dû le voir sur Instagram. Celles qui ne me suivent pas sur Instagram, vous avez raté un gros moment d'anthologie. L'apéro a dégénéré, on était tous bourrés à l'oasis. Une baguette que j'ai pliée en deux. C'était génial. Du ketchup. Des petits radis comme ça. On adore ça. Soit l'apéro, soit comme ça. Tiens, j'ai trouvé ça. Alors ça, c'est voilà, des petits piccolo gourmands, fourrage choco-noisette. Et là aussi, c'est du marketing de ouf. BN Sensation Stick Ultra Long. Mais c'est génial. J'ai pris du sel. Du poivre. Du foie. La tombe de brebis. J'adore ça. J'ai pris des fettuccine au de saumon. Petite salade. Oui. Hop. Oh, c'est de la rage de ouf. J'ai pris de la mayo. Je me suis pris de la mora, la moutarde douce au miel. Un pomelo encore pour moi. Parce que j'adore ça. Et je me suis pris un nouveau déodorant. Un mix à expert peau sensible, 0% alcool, 100% soin, au panthénol, hypoallergénique, 48 heures, machin. Et voilà. Et là encore, le marketing a frappé. Je peux mettre ça en vlog, en titre. Le marketing a encore frappé. Un truc comme ça. Parce qu'il y a un petit rond et tout, je sais pas trop comment ça marche. Ah oui, parce qu'en fait, tu presses là et ça sort partout, là. C'est une douce pression, je crois. C'est fantastique. Voilà, je vais ranger tout ce bordel. Salut, à plus. À bientôt, à tout de suite. Il faut s'organiser quand c'est comme ça, parce que là j'en ai partout. J'en ai dans tous les sens. Soyons organisés.
soleil, de l'ombre. Attendez. Hop. Voilà. Il est 16h10. On vient de goûter. On a pris le goûter avec Alexis. On a goûté d'ailleurs les petites crêpes que j'ai achetées ce matin, que vous avez vues. Elles sont trop bonnes. Elles sont toutes petites. 10 secondes au micro-ondes pour que ça soit un peu chaud, moelleux. C'est une tuerie avec des confitures de fraises ou du Nutella, enfin de la pâte à tartiner. Voilà. C'était trop bon, trop bon, trop bon. Bref. Une tuerie. On a fait la dégustation direct sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. La Isa Family avec des traits en bas là. Des underscore, underscore. Ouh, je me fatigue. Je pensais que je mettrais aujourd'hui cumulé avec demain. Mais au final, j'ai commencé à faire le montage. Et il y a pas mal de minutes. Est-ce qu'on se marre? C'est génial. Moi, c'est tout l'un ou tout l'autre en fait. Voilà, c'est souvent tout l'autre. Donc je pense que je vais vous abandonner ici. Je vous fais de gros bisous. Non, c'est pas dans l'ordre. C'est pas dans l'ordre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain, j'espère. Sinon, à après-demain. Mais peut-être demain quand même. Je sais même pas ce qu'on fait demain. Sûrement rien encore. Ou cinéma. Je sais pas. On verra. Salut.